Je vais vous montrer comment nous collectons nos ananas purement biologiques. Si vous voulez manger du bio, aujourd'hui on parle de manger bio, manger bio. L'alimentation biologique aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est pas vraiment évident. Avoir des fruits biologiques, ce n'est pas vraiment évident. Alors pour manger naturellement biologique, il faut forcément que ce soit une culture qui a été effectuée sans ajouter quoi que ce soit dessus, quel que soit le produit. Parce que pour celui-même qui dit que je vais ajouter peut-être la fiente de poule, la bouche de vache, ça sort carrément du côté biologique. Parce que quand tu parles de fiente de poulet, parle déjà d'alimentation de la poule. Donc tout ce qui va comme déjection, qui vient de sa nourriture, n'est plus biologique en réalité. Alors pour manger naturellement biologique réellement, il faut aller à la source. Et ici, comment on peut collecter ces ananas-là? Ce ne sont pas des ananas qu'ils ont fait en culture intensive. Ce sont des ananas que les planteurs ont déposés dans les plantations, qui parfois abandonnés, qui à un moment donné, bien évidemment, ça donne des fruits comme vous le voyez là. Et comment pour collecter ces fruits? Le plus souvent, quand ça arrive ici à maturité, les femmes récoltent ça et ils vont sur le marché avec ça. C'est en ce moment-là, on peut collecter réellement des ananas qu'on appelle ananas biologiques. Voilà, si vous voulez réellement du bio, voici comment on peut collecter le bio. Sinon, on dit qu'on peut avoir le bio, disons, en culture intensive, ce n'est pas aussi évident. Voilà, ici, c'est naturel, purement naturel. Et là, c'est vraiment biologique. Voici ce qu'on peut appeler bio. Quand on dit bio, c'est vraiment bio. Ici, depuis lors, ça a créé une petite forêt d'ananas ici. Sans entretien, le gars nettoie, il tourne autour, ça s'arrête là, il n'apporte absolument rien. Et c'est en ce moment-là, on peut collecter tout ce qui est biologique. Voilà, si vous voulez manger biologique, c'est en ce sens-là. Et alors, c'est sur ces fruits-là, nous collectons. Et c'est sur ces fruits-là, nous vous proposons au niveau, dans nos différentes vidéos, pour vous dire que les fruits que nous proposons, c'est comme ça nous les collectons. Ce sont les fruits que les parents récupèrent en brousse comme ça, qu'ils ont partiellement abandonnés, que nous prenons pour faire nos produits. Pour celui qui veut des produits purement et naturellement biologiques, c'est en ce sens-là que vous pouvez avoir les produits biologiques. Et voici comment nous pouvons collecter les ananas mûres, naturellement mûres sur le bois. Vous voyez, c'est comme ça nous les collectons. Et c'est comme ça que toutes les femmes collectent ça et nous apportent ça sur le marché. Ici, il n'y a pas de plantation, de grandes plantations d'ananas. Mais ce sont des ananas comme ça souvent, voilà, que nous collectons, naturels, purement naturels, très juteux et surtout très 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 sucrés, voilà, très très sucrés que nous collectons pour faire les jus que vous voyez sur nos chaînes. Pour vous dire que nous parvenons à collecter du bio, purement du bio.